Je termine par te dire ceci, bien-aimé. Chéris la présence du Saint-Esprit. Chéris la présence du Saint-Esprit. Veille à ta sanctification. Parce que par le péché, tu peux éteindre le Saint-Esprit. Le péché peut te faire, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Et je vais te dire, est-ce que tu sais que si tu pèches, quand tu pèches, tu peux toujours écouter sa voix un jour, deux jours. Tu vas te dire, ah, ça va, j'écoute sa voix, donc je peux toujours pécher. Mais un jour, tu vas te lever. Rien, tu ne vas plus rien entendre. Parce que le Seigneur te laisse le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, veille à ta sanctification. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre des amis. Tu peux perdre ton compte en banque. Tu peux perdre ton travail. Mais ne perds pas le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus vient chercher ceux qui ont son esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il est comme ton GPS sur cette terre. Il est ton conducteur sur cette terre. Veille à ce que tu sois, qu'il soit toujours là. Que tu aies toujours sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux tout perdre, mais veille à ne pas perdre le Saint-Esprit. Comme David l'a dit au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Chéris le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus.